Bonjour à tous, je suis Nathalie Bernard, j'écris des romans, je suis publiée depuis plus de 20 ans. La plupart sont des thrillers qui s'adressent à un public large à partir de 13 ans. Mon dernier roman est un diptyque d'anticipation. Il s'intitule Les Nuées, livre 1, Eremos. Il est publié aux éditions Thierry Magnier depuis août 2021. Le roman est construit en chapitres alternés. On y suit le destin de Lisbeth, qui vit dans une société totalitaire et dans un monde où le soleil est perpétuel. De l'autre côté, Lucie, astronaute de l'ISS, assiste en direct au bouleversement du monde tel qu'on le connaît. Évidemment, les deux destins sont liés. Mes derniers romans ont tous des thématiques qui tournent autour de la survie et de l'adaptation. Dans un de mes polars québécois, on suit par exemple Nita, 13 ans, qui doit survivre dans une cabane perdue au milieu de la forêt québécoise. Elle a 4 barres chocolatées et 3 allumettes et elle doit s'en sortir comme ça. Dans Sauvage, c'est la survie de Jonas dans un pensionnat pour autochtones au Canada. Et dans Le Dernier sur la Plaine, c'est la tentative de survie des derniers Indiens dans les grandes plaines du Texas. Quand je rencontre des jeunes, il m'arrive de leur demander ce qu'ils feraient si la société s'effondrait et si ils n'avaient plus rien dans leur frigo, s'ils n'avaient plus l'eau courante et s'ils n'avaient plus de chauffage. Ça nous permet de discuter ensemble de notre rapport à la nature. Alors je vais vous lire un extrait des Nuées, livre 1, Eremos. Journal de bord de l'ISS, 8 juillet 2025. J'ai réfléchi pendant 3 jours. J'ai beaucoup dormi. Beaucoup rêvé que je retrouvais ce que j'aimais. À chaque réveil, la peine était décuplée. Ce matin, je suis allée voir Anton et je lui ai dit que mon cœur avait explosé en même temps que la lune. Je lui ai dit que je me sentais désaxée, perdue, poussière. Je lui ai dit que j'avais seulement envie de m'allonger, ce qui n'est pas possible à cause de la pesanteur, et de ne plus jamais me réveiller. Mais Anton ne m'a pas lâchée. Il m'a dit que visiblement en bas, il n'y a plus rien. Mais que nous, on est toujours là et qu'il reste 2 options. Soit on continue de se saouler à la vodka jusqu'à ce que mort s'en suive, soit on se secoue. Je lui ai demandé d'arrêter. Il n'a rien voulu entendre. On est probablement les seuls survivants. Tu te rends compte de ce que cela signifie? Je l'ai supplié de me laisser. Je l'ai supplié de se taire. Hors de question que je me taise tant que tu ne m'as pas répondu. Répondu à quoi? Je lui ai demandé. Tu veux te laisser mourir ou continuer à vivre? Je lui ai dit que je ne pouvais pas répondre à cette question et là, il s'est énervé. Il a gueulé qu'on avait été formé pour ça. Je me suis mise à rire. Ce n'était pas drôle, mais j'ai ri avant de répondre sinistrement. Anton, personne n'a été formé pour le chaos. Il ne s'est pas démonté. Il a ajouté calmement qu'on avait été entraîné à gérer les situations les plus critiques. Il compare des stages de survie où on faisait du feu et où on chassait des bêtes pour se nourrir avec cette catastrophe inédite. Comme moi, il a vu les vagues. Comme moi, il sait que toutes les formes de vie ont dû y passer. Et puis admettons, allez, ok, on tente le coup. Qu'est-ce qu'il croit qu'on va trouver en bas? Il n'y a plus rien du tout. C'est une situation inédite, on ne peut pas savoir. Certains végétaux, certains insectes, peut-être des poissons auront pu s'en tirer. Et oh, Anton, redescends, le monde s'est changé en boue. Tu as envie de voir des cadavres partout? À quoi ça sert? Et combien de temps tu crois qu'on pourra survivre là-bas? Tu veux quand même pas repeupler la planète? Et là, avec sa gueule d'ange, il m'a répondu: pourquoi pas? À ce stade, j'avais envie de l'embrasser ou de le gifler, mais je me suis contentée d'un t'es dingue. Gentiment, il m'a rappelé qu'on est tous des dingues. Sinon, on ne serait jamais devenu astronaute. Là, il a marqué un point. Si jamais nous sommes les seuls survivants, nous représentons le seul espoir pour que la vie continue sur Terre. Oui, mais tu es toujours cette scientifique qui a donné toutes ces années de sa vie pour faire avancer la science. Oui, mais tu es toujours cette aventurière qui a parcouru des centaines de kilomètres dans une boîte de conserve pour explorer le ciel. Oui, mais tu viens de subir une déflagration, mais tu es toujours forte, Lucie. Beaucoup plus forte que tu ne le crois en ce moment précis. J'ai arrêté de répondre. Je crois que j'ai acquiescé plus par fatigue que par conviction. Ensuite, Anton a voulu que j'aille voir Sacha avec lui. Après tout, c'était toujours lui notre commandant de bord. C'était lui qu'il devait convaincre.
Anton lui a dit à peu près la même chose que ce qu'il m'avait dit à moi. Sacha est resté silencieux pendant un long moment, puis il nous a demandé de calculer ce qu'il nous restait en nourriture et en oxygène. Voilà ce qu'il en est ressorti. On sait maintenant qu'il nous reste environ 2 mois d'autonomie à condition de rester sur la station. Cette dernière fonctionne avec des panneaux solaires. Nous n'aurons pas de problème d'énergie pour l'alimenter ou éventuellement faire fonctionner les Soyouz. Mais si nous ne faisons rien, dans quelques mois, elle continuera de tourner 16 fois par jour autour de la Terre avec 6 squelettes aux commandes.